Bonjour les gens, c'est Mister Nose et je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui afin de vous parler à nouveau d'un petit jeu gratuit du nom de Cross Maga. Alors Cross Maga, ce sont les studios Ankama qui font ça. Si vous connaissez Dofus, si vous connaissez Wakfu, eh ben on est dans cet univers là. C'est magnifique, c'est passionnant, c'est bien foutu. Alors, qu'est-ce que c'est que ce jeu? Eh ben c'est un jeu de cartes. Vous allez voir, avec des petits bonhommes sur un plateau. J'aurais une ou deux critiques à faire, enfin surtout une au niveau de l'interface. Mais rien de bien méchant. Ce que je vous propose, c'est qu'on commence tout de suite une partie. Et puis je vais vous expliquer ça en cours de jeu. Donc moi je prends le dieu Yop, c'est un de mes préférés. Hop, j'ai craché dans mon Yop. Et puis on va lancer la partie. Hop, let's go to the fun. Alors, en quoi ça consiste? Eh ben, c'est un petit peu comme un Hearthstone. Je suis un joueur de Hearthstone, hein, occasionnel, mais j'y ai joué beaucoup, beaucoup, et j'y joue encore. Et ça, c'est le jeu que j'ai trouvé qui me change les idées quand j'en ai marre de jouer à Hearthstone et de me prendre des fessées. Alors, recherche d'adversaire, c'est quand tu veux. À Dofus Wakfu, je vous conseille de voir le film d'animation Dofus. Il est excellent, il est très bien. Il y a des personnages qui sont à la fois forts et vulnérables. Même s'il aurait mérité un épilogue, la série Wakfu, je vous la conseille. On attend une troisième saison, ce serait bien. Mais bon, allez savoir, peut-être un jour. Et là, on va commencer à jouer et je vais pouvoir vous expliquer les règles. Alors, au niveau de l'interface, vous voyez ce que je regrette, c'est qu'on puisse pas tourner le plateau et qu'on puisse pas zoomer. Alors c'est sympa à jouer et tout, c'est passionnant, on est à fond dedans. Je vais garder les cartes qu'on me donne. Mais à regarder en stream, bah c'est si c'est pas en plein écran, c'est des fois un petit peu pénible. Alors, là, j'ai des cartes à jouer. C'est toujours la même chose, j'ai des points de mana, donc j'en gagne un par tour à peu près. Sinon plus, vous allez voir. Donc là, vous voyez cette créature là, elle me demande 2 points de mana. Elle a 2 points d'attaque en jaune, 2 points de vie en rouge et 3 points de déplacement en vert. Alors je suis en phase, je sais même pas si je suis en phase d'entraînement ou si je me bats contre un vrai joueur, j'ai même pas vérifié. Donc ouais, bah écoutez, on va essayer de gagner. Alors lui a posé une carte qui fait 1 en attaque, 2 en vie, 3 en déplacement. On va placer un petit bonhomme. Et c'est parti. Alors non, bah non, je peux pas le poser parce qu'il faut 2 de mana et vous voyez j'ai que 1. Sauf si je joue cette carte. Cette carte là, quand je ramasse des étoiles comme ça, ça me donne 1 point de mana supplémentaire. Donc on va la jouer tout de suite. Hop, et on va poser hop sur cette case là. Cette case là va me permettre de piocher une nouvelle carte. Vous voyez, hop, le petit bitonio jaune. Hop, ce qui fait que bah hop, j'ai une nouvelle carte en ma possession. Fin de tour, c'est parti, c'est à lui de jouer. Je dois être en mode en phase d'entraînement. Hop, de toute façon, pour moi, c'est plus pratique pour vous expliquer le jeu. Puis, tant pis, hein, je gagne ou je perds. C'est pas très important. L'important, c'est de vous dire que ce jeu existe. Et je vous mettrai le lien dans le descriptif de cette vidéo. Le lien du site officiel, car ce n'est pas un jeu Steam. Alors, eux, ils sont pénibles. Ils ont 4 et 4 en attaque. Ce qu'on pourrait faire, c'est renvoyer dans sa main. Mais je ne peux pas jouer. Je ne peux pas jouer, j'ai pas suffisamment de points de mana, vous voyez j'en ai que 2. Là j'ai dépensé mon point de mana ici. C'est pas grave, on va passer le tour, on va le laisser avancer. J'ai aussi des pouvoirs, alors voilà hein, mon dieu Yop, hein, j'ai des interactions. Par ma barbe, j'ai déjà vécu pire, bien pire. Ah, on va voir s'il me répond. Normalement si c'est un bot il devrait pas me répondre. Hop, allez savoir. Allez hop, il joue, lui il avance, il va beaucoup trop vite, ça me plaît pas. Donc ailleurs. Que je vous explique quand même les règles. Ce qu'il va falloir faire, c'est choper des Dofus ici. Il y en a 5. Sur ces 5, il y en a 2 qui sont faux. Si je casse un faux Dofus, ça me rajoute une ligne d'invocation. Voilà, à partir de 2 Dofus, celui qui en ramasse 2, le premier à en ramasser 2 Dofus, et ben c'est celui qui gagne. Alors, celui-là fait 4, ça m'embête un peu. On va essayer de le ralentir. J'ai pas beaucoup le choix. Et je vais hop booster ce personnage-là. Ça va pas servir à grand chose, mais ça va servir quand même. Bon, c'est mal parti, hein. C'est mal parti. J'aurais pu jouer autre chose que je suis bête. J'avais 3 points, j'aurais dû jouer ça et jouer l'araignée pour envoyer celui-ci dans sa main. C'est pas grave. Hop, on joue avant, on réfléchit après. Hop. On va voir comment il va sortir. Surtout qu'il attaque tout de suite un Dofus. Donc, bah, c'est mal barré pour moi. C'est mal barré. C'est quand tu veux que tu joues. Alors, il va avancer, il va me dégommer celui-ci, mais normalement, il devrait pas avancer sur cette case-là. Donc on devrait pas trop être mal. Allez, c'est quand tu veux, t'avances. Allez Michel. Donc ça, ce sont les parties classiques. Hein. Hop, on y va. C'est le dieu Chacha. Ah oui, il y a les
trésor de... J'allais dire de Carmelite, mais c'est pas ça. Une troisième série de l'univers en Kama. Ah si, il avance, bah, il va me dégommer mon Dofus. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Je peux pas faire grand-chose. Il va me choper un Dofus direct. À moins que je puisse jouer cette fois-ci l'invocation. Là, je vais essayer de l'arrêter. Et je vais renvoyer ce personnage-là dans sa main. Il veut bien. Allez, vas-y, envoie-moi ça ailleurs. Bah alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que cette... Pourquoi il me l'a pas envoyé? Remonte dans la main adverse une invocation ayant 2 en attaque au moins. Ah oui, mais mince, si je lis pas. Donc il avait 4 en attaque, donc ça n'a pas marché. Bon, il va me piquer un Dofus. On va essayer de rattraper le coup, c'est mal barré. Il me reste un point, mais je peux pas faire grand chose avec. Bon, j'ai très mal joué hein, d'entrée de jeu. C'est pas grave, c'est la précipitation. On va continuer, puis on va voir comment ça se passe. Hein. Allez, go. Allez, vas-y, joue Michel. Voilà, il va me piquer un Dofus qui va apparaître ici. Hop, lui, il va être tout content. Et ce personnage-là va disparaître. Donc maintenant, à moi de protéger les deux autres qui sont là. Alors, lui, il a un en vie. Lui, il a 2, donc il va se faire détruire. Mais, ouais, je vais invoquer un autre personnage. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Vos chachas et vos autres escaflips gagnent plus d'en attaque. Bon, bah écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. Bah lui, on va le réduire au silence. Hop, et on va essayer de rattraper le coup. Il me reste 3 points. 3 points et 2, ça fait 5. On va laisser ça comme ça. On va laisser ça comme ça. Et on va essayer de remonter la pente. Parce qu'on s'est très 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 mal engagé là. Hop, normalement celui-ci devrait être détruit au tour suivant. Celui-ci aussi. Voilà, on va rattraper le coup. On va rattraper le coup. Hop, il y a un petit côté stratégique qui est sympa. Allez, joue Chacha. Joue Chacha. Ah mince, il a 1 en protection, mais ça devrait pas suffire. Il va mourir quand même. Et il a 1 en protection. Moi, je fais 3 de dégâts. Donc, bah voilà, il va prendre 1 en damage. Et puis, puis ce sera fini pour lui. Pour l'instant, il joue des petites cartes. Sauf peut-être celle-ci. Voilà, il a été détruit. Tout va bien. Celui-là va se faire détruire. Le mien aussi. Par contre. Voilà. Allez, on reprend les choses à 0. Qu'est-ce qu'il fait? Gagne plus d'en attaque ou s'inflige 2 de dégâts. C'est aléatoire. On va jouer des petites cartes pour l'instant. Ici, et je vais faire apparaître, hop, une deuxième gelée ici. Très bien. Et on va faire... on va les laisser avancer. J'ai envie de garder les cartes. Je vais commencer à dégommer des Dofus. Hop, avec des points derrière. J'ai plus 2, mais je vais essayer de conserver mon mana supplémentaire pour jouer un petit peu plus tard. Et c'est parti, let's go. Bon, on a bien sauvé la mise. On a perdu un Dofus déjà. Maintenant, il va falloir se la jouer agressif. Donc c'est parti, let's go. Alors eux, ce personnage-là, ont l'initiative, c'est-à-dire qu'ils sont les premiers à frapper. Et qu'il va pas être blessé par mon personnage. Il va pas être blessé par mon personnage, donc c'est un petit peu dommage. Par contre, le temps qu'il avance, j'ai le temps de faire d'autres invocations. Que je vais faire, c'est que je vais mettre celui-ci en piste, je vais piocher une carte, voilà, et je vais infliger un point de dégâts à celui qui a l'initiative grâce à cette invocation. Voilà, là on est bien, ici je vais attendre que ce personnage là avance pour en faire apparaître un derrière afin de dégommer celui là qui survivra aux attaques de ma gelée. Ouais, on va peut-être pas jouer celui-ci tout de suite. On va en garder. Donc il lui restera 3 en vie tout à l'heure. On va voir comment ça va marcher. Et puis tout à l'heure, je vous montrerai les donjons. Et nouveau, j'ai découvert ça tout à l'heure. Alors c'est peut-être une mise à jour, moi qui ai progressé dans le jeu, je ne sais pas. Mais c'est disponible. On va voir ça ensemble. Ok, il fait apparaître un autre chacha qui avance sacrément vite de 3 cases. Donc il faut que je joue au moins 2 personnages. Où j'arrive à jouer 2 personnages. Alors, j'ai 8 points. 8 points, je vais jouer un Thor ici. Hop. Et je pense que je vais jouer un autre Thor. Je vais jouer un autre Thor grâce aux 3 points que j'ai là. Ok, donc j'ai 6 où j'inflige 2 points. Ah, je pourrais faire ça. Inflige 2 points aux invocations de sa ligne.
à voir plus tard. Oh non, si, je vais jouer maintenant. Hop, comme ça, il aura plus que un en vie. Et devrait pas survivre après aux attaques de mon c'est un bouffe-tout. Un bouffe-tout, ouais, un bouffe-tout royal. Donc là, je suis pas mal, il me reste un point, je pourrais m'en servir pour faire invoquer mon chatard. Mais pareil, je vais garder des points de mana disponibles. Sachant que bah souvent les pouvoirs se réinitialisent au bout d'un certain nombre de tours. Donc on y va. Ah bah non, ça a l'air d'être un joueur. Hop. Ça a l'air d'être un vrai joueur. Donc on va voir. Ah oui, alors lui il peut manipuler le hasard, c'est vrai. Bon bah hop, on y va, c'est parti, let's go. Hop. Donc c'est une vraie partie contre un vrai joueur. En espérant qu'il ait pas de carte trop puissante. Oh non. Ah, il va me bousiller un faux Dofus. Un faux Dofus, il va gagner une ligne d'invocation, à moins que je joue ça. Inflige 2 de dégâts aux invocations adverses, on va faire ça. Ah, comme ça, il va pas me le piquer. Voilà. Il est à 3 points. Et on va essayer d'invoquer un chatard. Hop. Voilà, on va invoquer un chatard. Chatard. Et on va renforcer les attaques sur les lignes. Bon, on va renforcer les attaques. Donc alors attends. Il gagne en attaque. Voilà, il a gagné en attaque. C'était soit l'un soit l'autre. C'est pas mal, fin de tour. Allez hop, fin de tour. On avance, on progresse. On essaye de faire gaffe à sa main. Il lui reste pas mal de cartes. Donc certainement quelques atouts dans sa manche. Ce personnage là, chaque fois que j'ai un des alliés qui meurt, il gagne un point d'attaque. Oh bah tonton Chacha. Donc le Chacha, voilà, les trésors de Kermélite. Et donc, comment il s'appelle déjà? Kérubine. Ah bah voilà, les trésors de Kérubine. Je savais bien que c'était un truc comme ça. Hop, les trésors de Kérubine. Excellente série que je vous conseille. Alors, il m'a dégommé un Dofus. Là il est victoire. Je vais vous faire un entraînement parce que là il avait des cartes trop puissantes, j'ai rien pu faire. Bon, j'ai gagné des kamas. On va faire tourner la roue, tiens. On va faire tourner la roue. Je reviens en arrière. Ouais, j'étais en phase de partie. Boulette cosmique. On a un jeton partout, on peut en acheter avec des vrais sous. Mais c'est parti. Allez hop, on joue. Je joue un jeton. Alors je peux gagner un jeu de cartes. Je peux gagner quoi? Vous gagnez 30 œufs. Alors je sais pas à quoi ça sert. Sans doute à acheter des items, à débloquer des choses. C'est très bien. On regarde dans la boutique pour se faire. Allez voir, allez savoir à quoi j'ai le droit. Ah, je peux débloquer. J'ai 260 jetons. Ah, j'aimerais bien pouvoir acheter un paquet or. Je vais garder mes sous pour pouvoir m'acheter un nouveau jeu de cartes. Sachant qu'on peut créer ses decks, etc. En fonction des dieux qu'on choisit de prendre. Je vais essayer de vous montrer plutôt une phase entraînement. Voilà, j'étais en non classé. Je vais garder le dieu Yop. Même si j'ai débloqué les autres personnages, je vous laisserai découvrir ça par vous-même. C'est un jeu qui est très intéressant, hein, qu'il faut télécharger. Hein. Je te laisse pas le choix. Mais si, bien sûr que si. Mais non, qui est vraiment, vraiment sympathique. Et là, je vais essayer quand même de gagner une partie parce que je me suis pris une sacrée fessée. Donc pour une entrée en matière et pour vous présenter le jeu, c'était pas ce qu'il y avait de mieux. Alors, main de départ, je garde tout. Hop, ça, c'est un réflexe. J'aime beaucoup. Allez, on va essayer de gagner une partie. À la fois, ça s'est vite terminé, c'est pas plus mal. Un Pioussin. Est-ce que je joue mon Pioussin? Oui, je vais jouer mon Pioussin. Ça va me permettre de choper une carte. Souvent, les gens, hein, ils jouent au milieu. Souvent, au premier tour. Et hop, c'est parti. Il avance de 3 cases, il me semble, 3 ou 4. 5 cases, donc voilà, il progresse assez vite. Il faudrait que j'arrive à dégommer celui-là. Vous voyez, je fais qu'un point d'attaque. Il a 2 points de vie, il a 2 points d'attaque. Donc je vais jouer ça. Je vais jouer ça. Alors je vais leurrer mon adversaire en plaçant mon personnage sur un faux Dofus. Voilà, donc normalement il devrait avoir 2. Ah non, je me suis trompé de personnage. Ok, c'est Chuchoteur Fantassin. J'ai un autre personnage qui ressemble et qui fait gagner un point d'attaque à mes alliés. Bon, je me suis trompé, c'est pas très grave. Il m'a 0, j'ai rien qui fait 1, c'est parti. Allez, let's go, le Pioussin. C'est pas grave, de toute façon, ça va avancer. Oh là, non, une pluie acide. Ils sont morts tous les deux? Non, ils sont pas morts tous les deux. Et lui a pris des dégâts aussi. Donc c'est pas plus mal. Je vais jouer ma carte à 3. Lorsqu'il va mourir, il va faire perdre un point de vie à toutes les invocations qui sont sur le board.
Et puis bon, on avance, il me reste un point, mais j'ai rien à faire avec. Allez, progressons. Lui, il va certainement, voilà, mettre une invocation ici. Donc un point et l'attaque, mais hop, il va pas me faire de dégâts. Et là, on va pouvoir commencer à se la jouer agressif. L'invocation ciblée charge de 2 cases, ça sert à rien. Ça sert à rien. Par contre, si mon invocation est meurt, et ben hop, lui va gagner un point d'attaque. Donc je vais le poser tout de suite. Il nous reste 2 points de mana, on passe le tour. Allez hop, c'est la guerre. Allez vas-y, on y va, en avance. Alors, des sacrilleurs de l'adversaire. Et là, il... Ah oui, bien sûr. Et il... lui, il avance beaucoup trop. Il avance, il a qu'un envie, donc on n'a pas besoin d'invoquer une grosse créature. Par contre, je vais booster celui-ci. Hop, en lui mettant hop un point supplémentaire en attaque. Fin de tour. Fin de tour. Inflige 2 de dégâts et repousse une case. Ça vaut pas le coup. Les 2 en attaque. Bah, je pourrais l'éliminer, mais je préfère sacrifier ma créature et en jouer une autre derrière. Allez, c'est parti. Charger les 2 cases, ça sert à rien. Allez, c'est parti. Et let's go. Ok. Un plus 1. Et là, ok, on a... Hop. Comment il s'appelle celui-là? Il a une résistance particulière. C'est un craqueleur. Donc voilà, pour l'instant, je continue de progresser. Mon craqueleur est là. Mon craqueleur est là. Il y a un plus 1 ici. On va essayer de renforcer la ligne d'attaque. Si je le fais avancer de 2 cases, ça va pas le faire du tout. Par contre, ouais, je vais jouer ça. Et lui, je vais le faire charger parce qu'il a pas beaucoup en déplacement. Voilà, on va faire ça. Hop. On va avancer. Il va lui faire perdre un point de vie. Je peux encore jouer. Inflige 2 de dégâts. Il repousse une case, non. Inflige 2 de dégâts au serviteur adverse. Ça sert pas à grand chose. J'aimerais qu'il ait plus de serviteurs sur le board pour jouer cette carte. Allez. Il est passionnant quoi. Mais c'est vrai que j'aurais voulu pouvoir tourner le board et pouvoir zoomer. Ça aurait été intéressant. Maintenant ça se fait. Hein. Enfin, on se fait. Mais plus intéressant à jouer qu'il est à regarder. Je trouve. Hein. 2 en attaque et 2 en protection et une invocation. Et toi, t'as combien? T'as 1. Et il fait 1. Eh ben ça pourrait être intéressant de te faire faire ça. Allez hop. J'espère que je suis sur le bon personnage. Voilà. Normalement il devrait pas mourir. Donc, voilà. Il a 2 en protection. Donc normalement il devrait subir aucun dégât. Je vais utiliser un pouvoir pour fragiliser un Dofus. Voilà, on va faire ça. Comme lui il avance pas vite, on a le temps de voir venir. On va faire une fin de tour. Il me reste 2 points, mais j'ai rien, pas de carte à 3. Donc c'est parti. Hop. Passe le tour. Ah, il est mort quand même. Mince. Ah, j'ai pas fait attention. C'est pas grave. C'est pas grave. Voilà. J'attaque quand même un de ces Dofus. Il peut plus faire l'invocation devant. C'est pas très grave. Donc là, on est mieux parti quand même. Hein. Voilà. Lui, il avance pas vite. On va lui balancer. Hop. Comment il s'appelle? Un cactoblong. Et... On pourrait infliger 2 points. 2 points de dégâts à tous les adversaires. Je crois que ça sert pas à grand chose. Lui va mourir contre lui. Mais j'ai d'autres personnages derrière. Bon, on va faire ça. Marquer 5. Ouais, j'ai envie quand même. Je vais jouer 2 points de mana. Je vais invoquer un tour. Hop, un tour. C'est parti, je récupère un point de mana. Voilà, je gagne un Dofus. C'est un Dofus vide, mais vu qu'il est vide, il y a quand même un avantage, c'est que je gagne une ligne d'invocation. C'est assez pratique pour pouvoir placer deux personnages sur la même colonne. Allez, c'est parti. Il a choisi de prendre une charge. La charge, je vais m'en occuper. J'en ai quelques-unes moi aussi dans mon jeu. Oh, bah regardez ça, lui il se transforme en Wabbit. Quand il meurt, et regardez, là je peux jouer ça, ici comme ça.
Il y a combien? Il a combien de personnages? Là, ça pourrait être intéressant. Non, ça l'est pas assez. Non, ça l'est pas assez. Hop, pour l'instant, mes pouvoirs, je vais les garder. Alors voilà, le Luffy a été pris, donc arrivé en bout de ligne. Mon personnage disparaît, c'est dommage, c'est un petit peu un coup dans l'eau. Voilà, je savais que hop, il allait perdre, mais lui aussi. Là c'est pareil. 5, il reste un point. Et voilà, c'est ce que j'attendais, c'est qu'il place suffisamment de personnages sur le board. Voilà. Et on va infliger 2 dégâts aux invocations adverses, puisqu'il n'y a plus que ça. Voilà, voilà, là on est pas mal. Donc j'ai mon Wabit qui est ici. Donc, contre lui, normalement, il garde l'avantage. Pour le dégommer tout de suite. Pour le dégommer tout de suite. Mais je préfère passer mon tour. Je vais jouer celui-là, l'Archil qui a l'initiative. Mais je vais attendre qu'il pose un petit peu sur le bord. Il lui reste 3 cartes. Donc là, je vais faire cracher un petit peu son deck. Et on devrait reprendre l'avantage en ayant une main beaucoup plus avantageuse. Voilà, voilà. Donc là, on va commencer à se marrer maintenant. Parce qu'il a plus de cartes en jeu. Et nous, si. Donc, alors attendez. L'initiative, il fait combien? Il fait 3. C'est pas assez intéressant. Allez, on va prendre dos. Hop, elle fait énormément de dégâts. Ça devrait suffire. Il me reste, ouais, un point de mana en carte. On peut faire ça. Inflige 2 de dégâts et repousse d'une case. Ah, il a son Wabit qui est ici. Je pensais qu'il était à moi. Ah, c'est qu'il en a posé un aussi. Je l'avais pas calculé. On va le laisser avancer. On va le laisser avancer. On a encore pas mal de cartes en main. Ça devrait bien se passer. Normalement, ça devrait bien se passer. Si on fait pas de bêtises, il y a moyen de reprendre l'avantage. Alors, voilà, j'ai 2 charges. Ici, en voulait une. On va dégommer le Wabit. Voilà. Vu que celui-ci s'approche un petit peu de trop, on va le dégommer. Voilà. Voilà. Là, on est bien. Là, on est bien. Je pourrais jouer, hop, le point de mana pour détruire, continuer à détruire ce Dofus et lui faire perdre un point. Et on va attendre un petit peu. Garder l'avantage. Hop. Voilà. Voilà. Là, on est bien. Encore un Wabit ? Ah bah oui, encore un Wabit, oui, c'est logique. Mince, bah j'ai bien fait de jouer ce personnage-là. Ok, il se défend bien, il se défend bien. C'est l'IA, mais il se défend bien. Ok, on n'est pas mort. Ah, c'est un vrai Dofus, donc faut pas que je le laisse progresser. Je vais lui donner l'initiative. Hop. Voilà, Archil. Et on va jouer un autre personnage. Hop, on va reprendre une autre carte. Et on va lui donner plus 1. 1. Hop. Et puis une gelée, c'est parfait, ça, la gelée. La gelée qui fait 3. Hop, on va la jouer tout de suite. Comme ça, hop, on va charger le board. On va charger le board. Hop. Et on va prendre les petits power-up qui sont dans l'alignement. Et c'est parti. Fin de tour. Il me reste un point de mana. Tout va bien. Tout va plutôt pas mal. Allez, go. Elle a réussi à reprendre de la pioche. Mais nous aussi, donc voyez, il a eu l'initiative, il s'est pas fait toucher. Ça c'est sympa, oui, bah alors toi, je vais te dégommer. Et je vais te dégommer grâce à un piou rouge. Et je vais charger ma gelée. Pour qu'il fasse quelques dégâts au prochain personnage qui arrive sur le board. Hop, et on va dégommer ce Dofus là. Voilà, 2 points de dégâts. C'est parti à l'attaque. Il va arriver, il va se faire dégommer et mon Piu il sera toujours en vie. Et là on va essayer de renforcer cette colonne. Là c'est un personnage qui a résistance. Voilà. Je garde hop mes cartes en main. Là je suis pas mal chargé. Et il va pas pouvoir poser des personnages partout. Voilà, il a fait fin de tour. Hop. Là, je l'ai, il va progresser. Là je vais prendre. Normalement un personnage si tout se passe bien. Par contre, il n'y a personne ici. Il n'y a personne ici. Puis il fait 1 dégât. J'ai un de résistance, il devrait pas. Il devrait pas me détruire non plus. Et on va jouer un personnage ici. Puis chaque fois que normalement il tue un personnage, il
Dégâts, il se transforme. Se transforme en invocation aléatoire, coûtant 4 points. L'attaque, s'il survit aux dégâts. D'accord. Là, je vais garder ces deux cartes-là. On est pas mal. Hop, bon, il disparaît, mais hop, je pioche une carte. Très, très bien. Un bébé foreur. Hop, il a charge, il me semble. Non, pas celui-là. Je pioche une carte dès qu'il meurt. C'est pas mal. C'est pas mal. Lui, il reste 2 en vie. Là, voilà. On va gagner la partie. On va gagner la partie. Là, c'est gagné. Là, c'est gagné. On va renforcer la ligne. Hop, histoire de l'embêter. On va garder les grosses cartes pour survivre aux attaques derrière. Normalement, c'est gagné. Là. Prochain tour, c'est bon. On va presque tout poser. Ouais, je pourrais tout poser. Là, ça sert à rien. On va poser. Charge ici. Voilà. Pour faire bien. Normalement, ça devrait pas servir à grand chose. Hop, donc un Dofus, un vrai Dofus. Et un des deux. Il est là, l'autre vrai Dofus. Bon bah il va falloir poursuivre la partie. Quoi qu'il y en a 3, donc ça y est, c'est gagné. Voilà, ça c'est bien ça. Dofus remporté. Très très bien. Victoire. Voilà, j'ai l'air moins ridicule. Tout de suite. Alors, est-ce que je peux prendre un jeu de cartes? Oui. Je pourrais en prendre un, mais j'ai envie de garder mes sous. Pour en prendre un en or. Donc ensuite c'est les decks. Hein. Comment ils sont les decks? Collection. Alors en plus c'est pas dénué d'humour les cartes, les decks, hein. Vous voyez, il y a moyen de les transformer. Les offrandes, tiens, j'ai des offrandes à faire. J'ai les 4 qui ont réussi, donc terminé, j'ai des récompenses. Normalement si tout se passe bien, si tu veux bien me les donner. Ah non, celle-ci je l'ai déjà prise. T'as l'idée? Quête. Alors attendez. Hop. Non, ça va être par là. Par là. Ok. Offrande. Terminé, terminé, terminé. Et bon, bah d'accord. Bon, bah on va dire que oui, d'accord. J'ai une carte, je fais 4 entraînements. Oui, bon, bah je gagne des sous à chaque fois que je termine les quêtes. Parfait. Les donjons. Alors j'ai découvert ça tout à l'heure. On va rentrer. J'en ai fait un, celui-ci, donc à 10%. Qu'est-ce que ça représente? Je ne sais pas. Il faut sans doute en faire plusieurs pour arriver à 100%. Est-ce qu'on en fait un ensemble? Allez, on en fait un ensemble vite fait. On verra bien si je gagne la partie, je reste sur le dieu Yop. Comme ça, vous pourrez découvrir les autres personnages quand vous téléchargerez le jeu. Je vous invite vraiment à le télécharger, il est sympathique. Hop, il est joli en plus, hein, graphiquement, moi c'est vraiment une patte qui me séduit. Alors j'ai que des pouvoirs, ça m'aide pas qu'y avoir que des pouvoirs. Ça ne m'aide pas. On va garder ça. On va garder ça. Voilà, au moins des petites cartes pour commencer à jouer. Même si je patiente pendant un tour. Alors là, ce coup-ci, il y a 3 faux Dofus. Au lieu de 2. Il y a que 2 vrais Dofus à choper. Fin de tour, où je joue une carte, je vais faire fin de tour, histoire de garder mes points de mana pour plus tard. On va voir comment ça va se passer. Alors eux, quand je les tue... le personnage qui leur donne le coup de grâce est déplacé sur une case aléatoire. On y va. Hop, c'est parti. Mais normalement il devrait pas survivre. Donc vous voyez, il a joué au milieu, hein. Il a pu piocher une carte. Moi je fais la même chose. Voilà, je récupère les cartes que je n'ai pas jouées en début de jeu. Allez, que je n'ai pas sélectionné. Allez go. On va essayer de faire assez vite, histoire que la vidéo ne dure pas pendant 107 ans. Je crois que c'est déjà mort. De toute façon, je pourrais faire une vraie pipelette. Alors, inflige un dégât. Bah, c'est bien ça, inflige un dégât. Hop, je vais prendre un point de mana. Je vais lui infliger un dégât, lui en ou 3, un point de dégât aussi. Je devrais terrasser mon ennemi. Pourquoi il n'a pas infligé un dégât? Il avait un en défense ou quoi? Il a pas tout compris là. Il a pas tout compris. Il me semblait avoir sélectionné, je reverrai ça en vidéo. J'ai peut-être cliqué à côté, c'est peut-être pour ça. Hop. Ah bah mince. Point de dégâts, j'aurais dû le détruire. J'aurais dû le détruire. J'ai mal barré. On va prendre ce chevalier là. Alors lui, quand il tue un adversaire, il change de ligne aussi. Ça peut être pratique comme ça peut être un inconvénient. 2 points. Non, c'est pas intéressant à jouer pour l'instant. De toute façon, j'ai 2 personnages sur le board. J'ai l'avantage, et puis alors lui, voilà.
C'est ça. Il y a un pouvoir qui les fait tous reculer jusque à leur ligne de départ. Donc j'ai pas joué trop de personnages en même temps. Voilà. Et normalement, il devrait se téléporter. Comme ça, je prends hop un power up. C'est pas mal. Ah ouais, il m'a fait un pouvoir qui augmente le coût de mes cartes. C'est pas très gentil d'être méchant. Alors, me v'là bien embêté. Donc 5, 6, 7. Pom. On va prendre du petit. On va lui augmenter. Hop. Ses déplacements. Et on va commencer à taper. Ouais, allez hop. À taper dans le lard. C'est parti, il me reste 3 points. Pas intéressant pour l'instant. J'ai bien fait de garder mes conserver mes points de mana. Voilà, c'était juste pendant un tour. Ok, qui m'avait maudit. Hop, mes cartes. Donc lui, il fait 5. Il fait 5 en attaque. Il a 4 en vie. C'est pas très mignon. Voilà, c'est ce personnage-là que je voulais jouer tout à l'heure. On va l'embêter. On va lui infliger 2 points de dégâts. On va le faire repousser d'une case. Il a plus que 2 en vie, donc celui-ci devrait en venir à bout. Et on va commencer à invoquer, hop, d'autres persos. Il a pas mal de cartes. Je vais pas tout jouer. Fin de tour. Protection. J'aurais pu jouer la protection pour celui-là. Ouais, non. Allez, hop, on attaque un Dofus direct. Donc, prochain tour, hop, je lui pique un Dofus. Allez. Dofus, hein, c'est l'énergie magique dans l'animé. Donc, lui, il est là. Ça mange pas. On va lui mettre un wow wabit. Oh, un wow wabit. Ouais. C'est un wow wabit, j'ai imaginé. Oui, et man, Nagadef, Mangafi, etc. Alors, le chef, on va mettre un petit chef histoire de booster tout ça. L'handicaper un petit peu. Et puis, on va pas jouer beaucoup plus. On va conserver les points de mana. Voilà, donc là, on a un Dofus. Un faux Dofus, mais je gagne une ligne d'invocation, donc c'est plutôt pas mal. Yes, ça devrait le faire. Difficilement, mais ça devrait le faire. Oh là, il les a boostés. Alors, il fait quoi? Ok, il les a boostés en attaque. Ok, on voit pas. L'invocation avance immédiatement et attaque. D'accord. Bon, ça va. Il y a pire. On voit vite, il se transforme. Ok, donne à vos autres Wabit. Ah non, mince, je me suis trompé. Il se transforme pas en Wabit, le Go Wabit et tout. Alors, se transforme en invocation aléatoire. Alors, pour l'instant, ça sert pas à grand chose que je joue. Deux en attaque et deux en résistance. Ça sert pas à grand chose parce que de toute façon, il va mourir, il fait 6. Puis là, il se déplace pas assez. On va lui dégommer son Dofus. Quoi qu'on va en dégommer un autre. Tiens, celui-là. Hop, 1. Et 2. Tiens, on va fragiliser ça. Fin de tour. Celui-là est mort, hein, c'est normal, c'est prévu. Par contre, il avance de combien? 2, 3, 1, 2, 3. Normalement, voilà, il s'arrête ici. J'espère. J'espère que son boost le fait pas avancer jusque-là. Sinon je suis dans la murderer. Voilà, c'est ce que je voulais. Donc on va jouer une charge. Donc j'ai 8 normalement. Un quoi? Ah, ça perd l'hippopète. Il m'a piqué un Dofus. Ok, bon, il a l'avantage. Un mince. Bon, alors lui, on va pas le laisser avancer. Donc là, ça sert plus à rien que je protège cette ligne là pour le moment. Hop, charge. Toi, tu attaques tout de suite. Et alors tout de suite. Voilà. Laisse pas faire. Pom et pom pidop. Il en a un autre qui est derrière. Après c'est un faux Dofus. Donc. Bon, je vais jouer un crackler. Juste derrière parce qu'il y a lui qui arrive. Et ses personnages sont boostés. Alors en fait c'est pas gagné. Là il va faire apparaître une créature ici, s'il est pas trop bête. Oh là 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 là, non mais non. Mais non. Alors attention.
Une protection. Ah, il va survivre. Il va survivre à l'attaque. Il va me défoncer celui-là. Je vais devoir rejouer une charge derrière. Ça va être chaud de défendre cette ligne-là. Est-ce que ça vaut le coup vu que c'est un faux Dofus? Ouais, ça vaut quand même le coup. Un faux Dofus. Après, si je le laisse prendre le faux Dofus, il va gagner une ligne d'invocation. Mais si je le laisse prendre ce personnage-là, il va disparaître et j'aurai pas le à lutter contre. Donc ça peut être une stratégie que de laisser prendre ce Dofus-là. C'est toujours un petit peu risqué. Va faire ça. J'aurais pas dû faire ça. J'aurais pas dû faire ça. Pom pom pom, on va faire ça. C'est pas grave. Il a un sacré nombre de cartes et moi pas. Ouais, c'est mal barré. C'est mal barré pour réussir. Eh bien, faut réfléchir, hein. Faut cogiter les ménages. Tout ça. Bon, bah je pense que c'est mal barré. Alors j'ai réussi à gagner hein, la partie d'avant. Alors là, c'est foutu. Alors, survie à l'attaque. Il survit pas. Mais il est pas mort lui? Qu'est-ce qui s'est passé? Il est transformé en quoi lui? Qu'est-ce que c'est que ça? Quoi? Un arachnoplasme. Ah d'accord. Et deux en attaque. Ah oui, c'est parce qu'il a un en protection. Ça va être chaud. Ça va être chaud. Être chaud les marrons, on va faire une charge ici. Lui, je le laisse avancer parce qu'il va arriver en bout de ligne, il va disparaître, donc ça sert à rien. Une fois qu'il aura disparu, je pourrai positionner mes personnages pour aller attaquer le Dofus qui est là. Et on va jouer un Pioussin. Le Pioussin, histoire de... Attends, quoique. Si celui-là, je le joue, ouais, de toute façon, il va prendre le faux Dofus. Allez, hop, on y va. Hop, il va gagner une ligne d'invocation, il a déjà un Dofus. Il faut que je la joue agressif. Je dis ça à chaque fois et en fait je joue surtout défensif. Allez go! Il y a beaucoup trop de cartes. Il y a beaucoup trop de cartes. Voilà, là il va me piquer le Dofus. Il va avoir gagné une ligne d'invocation. Ça va être chaud pour moi. Ah là là! Oh attends. On va faire ça. Hop. On va faire ça. C'est dommage que j'ai plus de points, sinon j'aurais bien pris une carte supplémentaire. Oh, il y a peut-être moyen. Il y a peut-être moyen de survivre à tout ça. Et ça va être risqué. Ah, flûte. Flûte, flûte, flûte. Et ça a pris flûte. Oh là. Ça va, c'est un faux Dofus. Je vais en épiquer un aussi. Il faudrait que j'équilibre au moins la partie. Mince. Il a pris une invocation. Enfin, il a pris une carte. Et soit une invocation, soit un pouvoir. Voilà, donc là j'ai réussi à protéger mon bazar. Bon, il va être dégommé, mais lui aussi. Eh oui, mais oui, j'ai mon rabbit. C'est vrai que mon crackler il se transforme en rabbit une fois après sa mort. Et donc là, lui il fait 4. Voilà, 5. Là, on va jouer, hop, un bouffe-tout. Et on devrait survivre au moins au tour prochain. Voilà, on y arrive, on y arrive. On se protège comme on peut. Bon, il va me dégommer mon Dofus avec un pouvoir, je pense. On a récupéré de la main. Ça, c'est plutôt pas mal. On survit tant que possible. Oh là, le gros coup de ciseau qu'il m'a mis. Alors, à mon tour, il faut que je protège ça. Hop, ce que j'ai envie de faire, c'est lui renvoyer une carte dans sa main, mais c'est trop tard. Parce que j'ai plus de quoi jouer, j'ai plus de points de mana. Il aurait fallu que j'invoque ici. Mais au prochain tour, sans doute. Sans doute. Allez. On va essayer, hein. Alors je joue là, mais je lui ai déjà pris son Dofus. Oh là là, il fait mal. Il fait mal. Ça fait mal. Allez go. Je vais essayer de faire en sorte quand même qu'il n'arrive pas à avoir une deuxième ligne d'invocation. C'est mon seul avantage sur la partie. Donc je vais essayer de le conserver.
conserver cet avantage. Là je le renvoie, mais vas-y renvoie-le. Hop. Alors ça devait être un certain nombre de points. Voilà, ayant deux en attaque ou moins. D'accord. Donc ça va mourir, mais au moins j'aurais survécu un petit peu. Alors, assomme une invocation pour un tour, piocher une carte. Ben, ça peut être pas mal. Tiens, on va l'assommer lui. Je sais pas s'il va répondre. Je pense qu'il répond quand même s'il se fait agresser. On va voir, comme ça sera l'occasion de vérifier la chose. J'ai plus beaucoup de points de mana. Faut que je pose une invocation ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui nous a fait? Je sais pas, j'ai pas vu. Ok. Ah, il pose 3. Hein, alors est-ce qu'il avance? Ouais voilà, bon il prend le Dofus. Enfin, c'était irrémédiable. Voilà, j'ai plus qu'une seule créature sur le board, lui va disparaître, donc je vais les laisser aller au bout. Là j'ai un faux Dofus. 7 points. On va faire ça. On va faire ça. Et on va le laisser avancer. Et encore un. Ça sert à rien. Allez go. Go go go. Concentré, concentré. Hein. On est à fond dedans. Ouais, vous voyez, il est bien le jeu. Hein. Oh non, pas encore. La flûte. Ah ça a pris flûte, en plus il a une protection supplémentaire. Je crois que la partie est perdue. Hein. À moins de piocher des super cartes. Oh bah non, et mon personnage. J'ai plus rien sur le board. Vous voyez le nombre de cartes hein. Mais non, c'est foutu. Je sens que c'est foutu, donc lui disparaît. Par contre, il a pris un point de mana. Il va pouvoir jouer énormément de cartes. Bah j'ai pas beaucoup de choix. Hein. J'ai pas beaucoup de choix. Faut que je protège mes Dofus. Hop, je vais jouer un point de mana. Et je vais piocher une nouvelle carte. Voilà, on fait comme on peut, mais ça c'est bien. Prochain tour, je fais ça. Ouais, un tour, je fais ça. Voilà, donc eux, normalement, quand ils font ça, ils sont à l'emplacement. Actuellement, était rendu à l'autre bout du board. Hein. Alors, hop, on va infliger 2 points d'invocation adverse. Hop. Ah, on a peut-être encore un petit espoir. Hein. Lui, on va le laisser arriver au bout. Je vais pas l'empêcher de prendre ça. Pom 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 et pom pilop. Voilà, tour suivant. Bon, ça équilibre un petit peu les forces, mais bon, c'est pas gagné. Pas gagné. Hein. Hop, vas-y, prends ton truc et puis disparaît. Il reste ce personnage-là. Ça avance. Avance, avance. Ah ouais, carrément. Genre, t'avances de 18 cases, toi. Pom, pom, pom. Pom pom pom. Bon, on va faire ça. Alors je sais pas s'ils attaquent en arrière, je pense pas. Je crois qu'ils attaquent en arrière. J'ai pas assez de points. J'ai pas assez de points d'action. Point de mana, point d'action. Attaque pas en arrière. Enfin, dommage. Ça c'est dommage. Ils attaquent que devant eux. Voilà. Et donc il y a une nouvelle ligne d'invocation. Là c'est la fin des haricots, j'ai envie de vous dire. C'est la fin des haricots. Même si de toute façon ce personnage là je le boost, c'est pas intéressant. On va quand même essayer de gagner un Dofus. Allez hop. Histoire de rééquilibrer. Allez pour l'honneur. Pour l'honneur. Et encore même pour l'honneur, c'est mal barré. Hop. Allez, avance. Bah qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je me prends une grosse fessée. Bon, on a gagné une partie sur 3. Hein. Hop, celle-ci est perdue. Celle-ci, elle est perdue. Perdue. Allez, comme le pain. Le pain perdu. Allez, go. Pom, pom, pom. Une gelée. Alors, on va faire ça. Attends. Je vais essayer de faire un truc intelligent.
Je vais essayer de faire un truc intelligent, c'est-à-dire là, j'invoque pour prendre un point de mana. Je pose une petite gelée ici pour choper la carte. Peu m'importe que celui-ci avance, de toute façon il n'y a plus rien à prendre. Ensuite, il y a moyen avec ce personnage là de booster celui-ci. Allez, on va se la jouer bourrine. Pourquoi j'ai placé un personnage? Bah oui, pour défendre mon Dofus. Il me reste un point d'action, ça sert à rien. À sacrifier la petite gelée. On protège le Dofus ici. On va essayer de partir à l'attaque là. Il faudrait qu'on parte à l'attaque ici. Sur trois lignes là. Bon, comment vous dire que c'est mal barré. On va devoir jouer le tout pour le tout. La gelée, elle s'est fait dégommer, mais c'est normal. Et là, on va placer un personnage ici, un personnage là. Un personnage ici. Là. Voilà. C'est pas trop mal. Là du coup, j'ai deux points de mana supplémentaires et le prochain on joue d'eau. Main la voix do, allez do, karaté do, taekwondo, tout ça, allez, le chemin de la main qui frappe, hein. Ces trucs là, allez, on y va. Et voilà, et voilà. Bon, par contre il a une sacrée armée, hein. Il a une sacrée armée et moi j'ai que dalle. Il meurt, on est d'accord. Je vais me piquer le Dofus, surtout qu'il a déjà un Dofus. Vu qu'il a déjà un Dofus, on peut pas faire grand chose. Charge de une case. On va jouer, hop, le mana. On va jouer d'eau. Tour prochain, si je peux lui donner de la protection, on peut le faire. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, d'accord, bah oui, il a attaqué, il a chargé. Let's go. De toute façon j'y arriverai pas. Il a beaucoup trop de cartes dans sa main pour que on revienne à quelque chose. Elle, une guerrière, et dégomme tout. Toi tu disparais. Et il se fait allumer. Elle va se faire allumer au tour prochain. Sauf si je lui confère de l'attaque ici et de la protection. Deux en attaque, deux en protection. Il lui restera un point de vie, elle va pas survivre longtemps. Mais elle va survivre quand même. Faut que j'arrive à protéger mon autre Dofus qui est ici. J'aurais pu lui en prendre un là, mais je préfère poser des serviteurs sur le board. On va se battre jusqu'à la mort, hein, pour l'honneur. Allez go. Concentré, c'est mal barré. Il n'y arrivera pas. Comment ça je suis défaitiste? Je suis le board. Non mais bon, après jouer en vidéo c'est pas forcément facile en même temps qu'on explique le jeu. On va lui prendre un Dofus quand même pour l'honneur. Voilà, elle a un vrai Dofus. Ah bah déjà c'est pas mal, donc on égalise, même si là quand même l'avantage au niveau des lignes d'invocation. On va placer un personnage derrière, on va jouer le tout pour le tout. Hop. Comment ça s'appelle ça déjà? Un Tronknid. Et les personnages, vous les retrouvez dans la série, hein. Tous ceux que vous voyez là, les retrouvez dans la série. Sauf peut-être un ou deux. Ils disent rien, mais allez savoir, c'est peut-être moi qui ai pas de bons souvenirs. Et sinon, toutes les créatures invoquées, on les retrouve. Allez, voyez, ils vont tous reculer. Voilà, ils vont tous reculer. Donc c'est vraiment ces deux là qu'il faut que je protège. Il m'a pris tout le reste. Bah tiens, chuchoteur. Hop, il va donner un en attaque à tout le monde, mais il va se faire dégommer, donc ils vont perdre leur 1 en attaque. J'aurais dû... Bah non, c'est pas celui-là. Je le confonds toujours avec l'autre. Et inflige un de dégâts au Dofus. On va continuer à entamer celui-ci. Il y a peut-être moyen, si j'en chope encore 3, là c'est un vrai Dofus, je peux gagner. C'est encore possible, c'est vous dire.
Quoique, j'ai pas beaucoup d'espoir, mais c'est encore possible. Ouais, heureusement qu'il avance que de 1, lui, là. 3, de 2, voilà. Ça me sert à rien. Donner plus en attaque à une autre invocation. Il peut pas se le faire sur lui-même. Bah non, il apparaît pas. À lui. Hop, tranche. À rien, tu vas disparaître. Au moins tu résistes. Voilà, tu résistes. Il m'a pas piqué mon Dofus. Allez, on se bat jusqu'au bout. Par contre, voilà, j'ai plus une seule carte. Ah, plus, il y en a 7 au moins. Ma charge. Ah, ma charge. Alors, je serais tenté de la poser ici. Il avance de combien, lui? 2, 3, 1, 2, 3. Faudrait poser, il faudrait que j'ai une autre invocation. Là, je prends... Faudrait que je pioche une carte qui corresponde à une invocation. Là, je le dégomme. Mais non, je le dégomme même pas. Et on tente ça. Hop, on va prendre une carte. Il aurait fallu que je fasse 4, mais... On peut y arriver. On peut y arriver. Ah non, mince. Allez, c'est fini. Terminé. Terminé. Terminé, terminé. La fin de tour, il avance d'une case supplémentaire, c'est ça? C'est l'idée? Ouais, parce qu'à la fin de tour, il va avancer. Donc voilà, c'est terminé. Allez, hop. Il a gagné. Bon! Bah les amis, ça m'a fait plaisir de vous présenter Cross Maga. C'est un bon jeu. C'est un très très bon jeu. Donc je vous mettrai le lien dans le descriptif de cette vidéo. En attendant, je vous fais des bisous. Et à très 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 bientôt dans votre futur. Allez, ciao. Bye.